Bonjour tout le monde, bienvenue à mon canal. Si la vidéo te plaît et tu veux me soutenir, abonne-toi, merci. Enfin arrivent les tutoriels des mini amigurumi. Je vais commencer avec cet ourson. Pour le réaliser, nous aurons besoin d'une aiguille à crochet du numéro 3, de fil, je l'ai choisi en acrylique, de cette couleur marron clair, des yeux de sécurité, un petit nez de sécurité aussi. Ensuite, un petit bouton, de la laine couleur verte et un petit morceau de laine de couleur noire pour faire le museau et les sourcils. Nous commencerons notre ourson en faisant les jambes. Pour cela, nous ferons un cercle magique de 4 mailles serrées. Pour le premier tour, nous ferons une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, jusqu'à terminer le tour entier. Pour le deuxième tour, nous ferons une augmentation plus deux mailles serrées, une augmentation, deux mailles serrées, jusqu'à terminer le tour. Pour le troisième et dernier tour, nous ferons une augmentation, 3 mailles serrées, une augmentation, 3 mailles serrées jusqu'à terminer le tour. Et nous aurons terminé notre petite jambe. Nous ferons de même avec la deuxième. Pour la deuxième jambe, nous ne couperons pas le fil. Il nous servira pour travailler le corps. Il nous permettra d'unir les deux jambes et ensuite monter le corps. Nous continuons avec les bras.
Nous commencerons avec un cercle magique de 4 mailles serrées. Ensuite, pour le premier tour, nous ferons une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation jusqu'à terminer le tour. Et pour terminer le bras, nous ferons 6 tours de mailles serrées. Maintenant, nous allons continuer avec le corps. Nous prenons la dernière jambe que nous avons faite. Faisons une maille de chaînette pour unir les jambes ensemble. Maintenant, nous prenons la deuxième. Et pour l'unir à la chaînette, nous faisons une maille serrée. Une fois les deux jambes unies, nous ferons le premier tour de mailles serrées. Le deuxième tour sera 4 mailles serrées, une augmentation. 4 mailles serrées, une augmentation jusqu'à terminer le tour. Une fois terminé le deuxième tour, nous ferons 4 tours de mailles serrées. Ensuite, nous ferons 4 mailles serrées, une diminution. 4 mailles serrées, une diminution jusqu'à terminer le tour. Maintenant, nous ferons un tour de maille serrée.
Nous continuons avec 3 mailles serrées, une diminution, 3 mailles serrées, une diminution, jusqu'à terminer le tour. Ensuite, nous ferons un tour de maille serrée. Pour terminer, nous ferons deux mailles serrées, une diminution, deux mailles serrées, une diminution, jusqu'à terminer le tour et ainsi nous aurons terminé le corps. Maintenant, nous couperons le fil et remplirons le corps et les bras avec de la mousse ou de la ouate. Et voilà le résultat. Maintenant, nous ferons la tête. Nous commençons avec un cercle magique de 6 mailles serrées. Maintenant, nous ferons une augmentation de chaque maille serrée. Pour le premier tour, nous ferons une maille serrée plus une augmentation, une maille serrée plus une augmentation jusqu'à terminer le tour. Le deuxième tour sera 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation jusqu'à terminer le tour. Thank you.
Le troisième tour sera de 3 mailles serrées, une augmentation, 3 mailles serrées, une augmentation, jusqu'à terminer le tour. Le quatrième tour sera de 4 mailles serrées, une augmentation. 4 mailles serrées, une augmentation jusqu'à terminer le tour. Le cinquième tour sera de 5 mailles serrées, une augmentation, 5 mailles serrées, une augmentation jusqu'à terminer le tour. Maintenant, nous ferons 7 tours de mailles serrées. Maintenant, nous commencerons les diminutions et nous commençons avec 5 mailles serrées, une diminution, 5 mailles serrées, une diminution jusqu'à terminer le tour. Nous continuerons avec 4 mailles serrées, une diminution, 4 mailles serrées, une diminution jusqu'à terminer le tour. Nous continuerons avec 3 mailles serrées, une diminution, 3 mailles serrées, une diminution jusqu'à terminer le tour.
nous suivrons avec 2 mailles serrées, une diminution, 2 mailles serrées, une diminution jusqu'à terminer le tour. Maintenant, nous remplirons la tête. Maintenant, nous placerons les yeux. Nous placerons le premier entre le dernier tour de maille serrée et le premier tour dont nous avons fait des diminutions. Après avoir placé le premier œil, nous comptons 1, 2, 3 et au quatrième trou, nous plaçons l'œil. Pour le nez, nous le placerons exactement à une rangée en dessous des yeux, au milieu, entre les deux. Vous n'avez pas ce genre de petit nez en plastique, vous pouvez très bien le broder avec un fil noir. Et voici le résultat. Nous continuons à remplir la tête. Maintenant, nous ferons un tour entier de diminution. Nous terminons de remplir. À l'aide d'une aiguille à laine, nous prendrons le brin extérieur de chaque maille et ainsi nous fermerons l'orifice. Et ensuite, nous sécurisons le fil en le passant plusieurs fois dans les mailles. Maintenant, nous faisons les oreilles. Nous commencerons avec un cercle magique de 4 mailles serrées.
Maintenant, nous ferons une augmentation dans chaque maille serrée. Maintenant, nous ferons une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, jusqu'à terminer le tour. Maintenant, nous ferons deux tours de mailles serrées. Maintenant, nous ferons la queue de l'ourson. Nous commencerons avec un cercle magique de 4 mailles serrées. Ensuite, pour le premier tour, nous ferons une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation jusqu'à terminer le tour. À l'aide d'une aiguille à laine, nous unirons tous les éléments que nous avons effectués. Je vous le mets rapide parce que c'est toujours la même chose. Maintenant, avec une laine noire, nous coudrons les sourcils et le museau. Pour le museau, nous compterons 6 points.
Pour le sourcil, nous compterons à partir de l'œil 3 points. Et un point en diagonale vers le haut. Nous compterons pareil pour l'autre côté. Maintenant, nous sécurisons le fil. Et voilà le résultat. Maintenant l'écharpe. Nous commencerons avec une chaînette de 25 mailles. Nous rajoutons à la fin 3 mailles qui nous permettra de faire des brides. Et voici le résultat. Nous rajoutons un petit bouton et nous le passons dans une des mailles. Voilà, nos deux petits oursons sont terminés.